là, il va falloir qu'on accroche les premières équipes déjà. Et faut qu'on montre qu'on est aussi là, on doit répondre présent. Et il faut pas qu'on creuse trop l'écart. Donc il va falloir qu'on se batte pour pouvoir les accrocher. Forcément, ça nous a fait mal cet échec parce que la victoire de Sochaux n'était pas du tout méritée. C'était soit le match nul, ou au moins qu'on gagne et qu'on prenne voilà, les 3 points, ou au moins 0-0. Mais ça nous a fait mal et on a à cœur de se rattraper contre Paris. Il faut qu'on gagne en tout cas ce match. Forcément, c'est rageant de pas marquer, mais nos attaquants font ce qu'ils peuvent. Nous aussi, on essaie d'apporter si on peut, et on sait que c'est pas facile. Et il faut peut-être de la chance, mais pour avoir de la chance, il faut se la créer. Et non, on a confiance en tout le monde. J'espère qu'on va marquer des buts. Il faut être patient, quoi. Et ça viendra. Quand ça viendra, peut-être que ça va nous avancer encore plus. On prend le temps que ça prendra, mais je pense qu'on marquera. Tous les matchs, on se donne à fond. Enfin, on n'essaye pas, mais on fait tout pour être bon. Et ça passe, des fois ça passe, des fois ça va pas passer, mais on essaie tout le temps de mettre de l'intensité quand on peut. Et on a besoin de ça en tout cas pour avancer. Je sais que contre Paris FC, on avait fait un bon match. Bon, un bon match, on a perdu, mais on avait fait un bon match. Et on a perdu 2-1, je crois bien. Ça nous a laissé des traces. Donc là, déjà, d'une, on a à cœur de gagner ce match. Pour nous, ça sera une revanche aussi. Et on veut partir sur une bonne dynamique pour enfin lancer notre année 2022 en tout cas. C'est normal qu'il y ait de la concurrence et pour moi aussi c'est très bien, comme ça au moins je sais qu'à tous les matchs je dois être à 100%, si je me loupe il y a quelqu'un d'autre qui va jouer et puis on a des jeunes de qualité et on a besoin de concurrence pour être toujours bon et c'est très bien comme ça. On a besoin de ça, de toute façon tout le monde a besoin d'avoir cette petite piqûre de rappel. Et les jeunes sont bons, et ça à moi aussi de montrer que je suis bon aussi, je suis là, donc c'est très bien pour nous. Physiquement, je suis prêt, avec les kinés, on fait du bon boulot aussi, donc bien sûr, je suis prêt. À tout moment, je dois être prêt, et là, moi, je suis prêt. Et j'espère vous le montrer sur le terrain aussi.